Bon, et eh bien, salut tout le monde, et bienvenue dans l'épisode 15 de Uncharted Territory 3. La même intro que l'autre fois, formidable. Donc la dernière fois, on avait réussi à choper la laine vert clair dans la zone machin, là-bas, là. Dans le marais. Et dans cet épisode, on va y retourner. Donc voilà, je me suis fait... je me suis rien fait, en fait. Ah si, j'ai réparé Megaturp. Elle est en pleine forme. Elle est prête à tuer du zombie, et du squelette. Et surtout du squelette, ouais, parce qu'il n'y a que ça dans cette putain de zone. J'avais pas vérifié. Il se peut qu'il y ait quelque chose en dessous. Mais au pire, je verrai ça plus tard. Soyons fous. Donc, dans cette zone, il fallait que j'aille... Il fallait que ça charge déjà, ça serait cool. Et il fallait donc que j'aille dans le grand bâtiment, parce qu'apparemment, d'après le bouquin que j'ai lu... Coucou! D'après le bouquin que j'ai lu, il y aurait une table d'enchantement là-dedans. Ça serait intéressant. Ouais. J'aimerais bien que ça charge un peu la map. S'il te plaît, Minecraft, j'ai pas envie de me spoiler la suite. Bon, vous savez quoi, je reviens et dès que c'est chargé, je... Enfin, je... enfin, vous avez compris, quoi, merde. Bon, cette fois, ça a chargé, c'est bon. Alors donc, il pleut, forcément. Évidemment, chaque fois que je joue à Minecraft, il pleut. Non, c'est pas un squelette, ça. Bon, on va attaquer le truc par là, parce que, bah déjà, il y a un coffre. Ça donne envie. Et ensuite, bah ça a l'air plus safe que ce que je faisais avant. Le zombie s'est barré par là, c'est bizarre. Il y a un villageois. Il y a une araignée aussi. Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait, ce zombie, mais... Bon, en fait, il a merdé grave, quoi. J'aimerais bien avoir des blocs. Voilà, comme ça, lui, il passe pas. Gage. Je veux voir ce qu'il y a dans ce foutu coffre. Oh, putain. Water Bracing, Night Vision. Mais Weakness. D'accord. Smite 5, waouh, waouh, waouh. Eh vas-y, il y a des bons trucs là. Ok, j'ai pigé. En fait, ce coffre servait à aller sous l'eau tout à l'heure, quoi. D'accord. Par contre, Smite 5, je prends. Hein. Le reste, autant le reste, c'est pas très intéressant. Oh. Oh, je prends ça. Oh putain, si je peux les cumuler les deux, c'est énorme. Attends, voilà. Mais barre-toi, toi. Oh, mon armure encore. Ouais. Bon, ces araignées me gonflent. Surtout quand je les vois pas arriver. Putain de merde. Bon, j'ai vu votre spawner, les mecs. Enfin, les filles. Hop. Non, ça c'est du silverfish. Je ne crèverai pas, bordel. D'ailleurs, je vais manger. J'avais vu ce qu'il y avait là-dedans, je crois pas. Donc c'est intéressant. Barre-toi. Ok. Crève. Hein. Bon, je vais voir ce que c'est que ces trucs de lapis. Bon, il y a un coffre. Est-ce que je l'avais vu, ce coffre? Ah oui, d'accord, ouais. Je comprends mieux. Je crois qu'il voulait qu'on utilise ça pour plonger. Je vais en prendre un, écoute, pour si jamais dans le futur j'en ai besoin. Ça m'étonnerait, mais bon. Voilà, mais donc apparemment là-dedans... Defu qui se dead shit. Non, ça c'est du silverfish, ça s'en est pas. Moi, y a rien en dessous. Ok. Et là, ça mène à rien, d'accord. Ah oui, donc en fait, ça sert à rien ici. Alors, de quoi ça parlait dans le bouquin? Peut-être d'un autre truc. Je vais aller explorer la zone, de toute façon, puisque... Je sais que ça va foutre, honnêtement. Alors, on va continuer par là. Merde. Voilà. Du. Là, je croyais que c'était beaucoup plus grand, en fait, ce truc. Ok. Je t'ai vu. Je t'ai raté, même. Ah. Ok, bon, on va passer par la flotte, parce que bon, hein. Voilà. un spawner. Spawner de squelette.
dégage. Enfin, peu importe ce que c'était, de toute façon, ça aurait dégagé. Je sais pas du tout ce que je suis censé faire, en fait. Parce que je crois que finalement, je l'ai fini, la zone. Je sais plus du tout de quoi parler le truc de la table d'enchantement, là. Ça m'intéresse un petit peu quand même. Mais bon, je crois que j'ai vraiment fait le tour de la zone. Bon, on va tenter un saut des ténèbres. Voilà. C'était pas super des ténèbres, je vous l'accorde. Bon, puis de la canne à sucre, je m'en fous un petit peu, à vrai dire. Oh la vache. Je crois que j'en ai fait spawner 10 000 là. Bon, on va retourner à la base, vu que apparemment j'ai rien d'autre à faire dans cette zone. Si je rate une table d'enchantement, bah tant pis. Hein. De toute façon, je me démerde très bien sans pour l'instant. Ah bah tiens, ouais. On va aller en profiter pour voir ce que c'est que ce truc en dessous. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a un coffre. Alors, attends. Voilà. Eh, dis donc, j'ai bien fait de venir, moi. Unbreaking 3. Putain, ouais. Oui, je veux, oui. Oh putain, je m'en fous, on va dire. Bah j'ai bien fait d'y aller, finalement. Très très cool. Bon, je vais aller à la base. Ah mais j'étais déjà descendu, là. J'ai l'impression que cet escalier, c'est moi qui l'ai fait. Étrange. Bah enfin, peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Pff. Bon, je vais faire quelques trucs à la base et je vous rejoins après parce que ça va être chiant. Bon, donc cette fois, c'est bon, c'est fini. Je me suis tout refait à neuf. Tiens, d'ailleurs, regardez, voilà, mon armure est toute neuve. J'ai aussi réparé les bottes en diamant. Parce que, du coup, j'avais une autre paire de bottes en diamant. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant réparer tout ce bordel. Donc ça, ça veut dire que c'est fait là-bas. J'ai plus trop envie d'y retourner. Azarine Catacombs, oui, ouais, putain, oui, ça c'était déjà fait, c'est bon. Et donc on va passer à Mycelium Mines dans cet épisode, maintenant d'ailleurs. Yep. Donc ça va être la laine jaune comme prévu. Mycelium Mines, donc ça veut dire champignons et tout. Un peu de bois. Ouh, attendez, ça a l'air tellement classe. Encore des lianes partout, mais... Waouh. Je voulais juste voir ce qu'il y avait, moi. Putain, c'est classe. C'est tellement grand que ça charge pas tout, dis donc. Et là, il y a un coffre. Bon, voyons voir déjà l'essentiel. Un peu de bois, un peu de fence. Des fences. Bon. Ok. Bon, j'aime pas trop ça. Mais c'est pas grave. Putain, c'est joli. Bon, c'est très très liane, hein, quand même. Mais ben, c'est pas mal, quand même. Alors là-bas, il y a un truc. Oh, putain. Oh la vache! Ah ouais, d'accord, ok. Mlep! Connard! Voilà. Ah, t'es bloqué, toi. LOL! Boop! Ok, donc ça va pas. Attends, c'est dangereux d'y aller, là. Oh putain. Ça va pas. Pas le faire du tout, ça. J'ai pas trop envie de me faire un pilier pour y aller. Oh, putain. Je suis déjà bloqué. Ça commence bien. Ou alors, attends, je vais me le faire ici, mon pilier, peut-être. Ouais, genre là, attends. Bien au bord du truc, ouais. Comme ça, si je tombe tout en bas. C'est le souci du détail, vous voyez. Bon, je suis à hauteur des trucs. Ça va être plus simple de progresser comme ça, je pense. Puis moi, je peux voir ce qu'il y a en bas, comme ça. Gloops. Une mort imminente, ouais. Voilà, au moins un. C'est déjà pas mal. C'est fourbe, ça, putain. Voilà. Bon, ça, au moins, c'est fait. Ça continue par là-bas. Ok, et en bas, bon. En bas, il y a l'air de rien avoir du tout, à part des champignons, évidemment. Mais... Ah oui, merde, ça, maintenant, faut descendre.
parmi les zombies, ouais. Ouais. Bon. Wouhou. Finalement, je pensais que j'aimerais bien cette zone, mais finalement, pour l'instant, c'est pas top. Je vais aller par là-bas, parce que ça m'a l'air un peu plus safe. Ah ouais, d'accord. Ah, du mycélium, tiens. Et donc, des champivaches. Cool. Ah oui, d'accord, c'est tout du mycélium, ici, aussi. Ok. Bah écoute, autant aller par là, vu que j'y suis. Oh! Un mob spécial, je veux dire. Avec une tête de bloc de champi. C'est marrant. Ah. Il est mort. J'aimerais bien voir ce qu'il a drop. S'il a drop des trucs, surtout. Mmh. Non, il a pas l'air d'avoir droppé des trucs. Ah, c'est son spawner, ça. Ok. Toi, tu dégages. Et puis tu meurs. Je suis en mode concentré, là. Dingue. Alors, il y a des vaches. Ouais, c'est cool. Non, en plus, c'est vrai, c'est vraiment cool, quoi, mais... Putain. Non, toi tu dégages. Tiens d'ailleurs, petite idée là. Ah non, c'est pas les spawners ça. Ok, j'en ai. Il va falloir que je mange un steak. Devant les vaches. Mais ça va que c'est pas un steak de vache. Bon, drop-moi des trucs toi, j'ai envie de... Je suis curieux de savoir ce que t'as. Ah, merde. Ah, c'est le squelette qui l'a tué. Ah non, il l'a pas tué, merde. Putain, tu drop rien. Ou alors j'ai vraiment pas de chance. Putain, merde. Eh ben dis donc. Génial comme mob. Oh putain encore. Ceci cette soupe, elle a un truc genre sharpness et tout. Ouais, à part de la rotten flèche, tu drops que dalle toi, hein. Bon bah du coup, meurs, voilà. J'ai oxy le spawner. Et elle a encore un. C'est marrant. Bon, des champignons, je m'en fous un peu. J'ai trouvé mieux comme bouffe. Un squelette. Oh, squelette. Négateur, bordel. Oh putain. Non, non, non. 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 Non, j'ai dit... Pourquoi quand je dis non, vous venez quand même Oups. Je l'ai raté à 10 km. Ok. Salut Creepy. Putain, mais... Il doit y avoir des spawners dans les murs parce que... Que des squelettes là. Mais putain, dégage! Voilà. Alors là. Ah non hein. Bon alors là il y a une échelle. Je verrai ça après. J'ai envie d'abord de faire. D'aller là quoi. Raté. Encore raté. Putain, une witch. Merde. Oh là là, putain, mais... Oh merde. Lui, je l'ai vu, je crois. Oui. Ok. Cool. Salut, copain. Tu vas mourir. Allez. Voilà. Ah, putain. Oula. La fuite. Un peu trop d'ennemis d'un coup là. Surtout lui là, chiant. Qu'est-ce qu'il m'a eu? Est-ce que c'est Thorns ou est-ce que... Ah il a mis les bottes. Ah il a drop les bottes ça veut dire. Attends. Je peux pas les prendre? Ah si. Laser Boots, Feather Falling 3. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, putain, la bouffe part bien vite, là, je sais pas pourquoi. Enfin, si, c'est parce que je m'en prends plein la gueule avec ces putains de squelettes, mais... Crève. Toi,
toi tu meurs. Le temps que je torche. Encore un squelette. Non. Encore dropper ses bottes. Ouais, ok. Ouais, putain, mais... Fuck. Allez, viens là, toi. Viens là que je te démonte. Oh, il a droppé la soupe. Oh. Non. J'avais dit non. Toi non plus. Non, pas le seau de lave, non. Ah ouais, ne fais pas la connerie surtout, waouh. Et ça c'est le début de la zone? Je viens de là? Non. Non, je viens pas de là. Non, stop piège. Ouh. D'accord, je suis à un étage supérieur du truc, ok. C'est pas trop mal foutu ça, tu. Alors attends. Ouais. Ouais, remarque, ça, je le prendrai. Maintenant, même. Ça, quoi, ça? Ben of Arthropods et Efficiency 2. Ok, c'est nul. En fait. Ça, je m'en fous. Ça aussi. Ça aussi. Ouais, au fond, ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Du coup, je peux prendre des trucs. Ouais, genre ça. Voilà. Je vais peut-être mettre celui-là même en fait, ce projectile c'est mieux. Bon, puis je vais passer aux 16 patates qu'il me reste. Hein. Puis je vais retourner par là. Et puis même en fait, dans le doute, je crois que je vais faire une petite pause parce que je sais pas trop où j'en suis là. Oh ça va, on a un petit peu de temps encore. Ok, donc j'aimerais bien aller voir ce qu'il y avait en haut de cette échelle. Déjà les mobs, rien à branler, lolilol. Crève. Ouais mais crève, explose pas quoi, chier. Non. Ouais puis merde. Alors, échelle. On va voir ce qu'il y a là-haut. S'il y a quelque chose. Enfin, il y aura au moins un zombie. Oh putain. Fuck. Allez, venez tous. Voilà. C'est la fête. Wouhou. Ça en fait du monde, hein. Sinon ça va la famille. Wouhou, bah dis donc. Je suis content de m'être débarrassé de ça finalement. Là, il y a encore des champis zombies. Champis zombies, ça leur va pas si mal. Bon ok, ils sont pas intéressés par moi apparemment. Si. Je sais pas trop. C'était un peu bizarre. Ça c'est une vache, d'accord. Et il y a encore un spawner là. Ah putain. Oh là. Ah puis ils ont un effet de potion sur eux, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas non plus par quoi je me fais toucher là. Bon enfin. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de coffres là. Azarian Shipment 1829. But. Ah ouais, d'accord. Génial. J'ai pas du tout l'impression d'être venu pour rien. Ça c'est quoi? Trash. Ah ouais, quand même. ça... Bon attends, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça je m'en branle. Tu. Ouais, un champignon aussi. Bon, fais voir un peu tout se faire. Surtout le bloc en fait. Voilà. Là, ça fait un peu de fer, c'est toujours pas mal. Bon, donc ça veut dire que je suis un peu monté pour rien quand même. Hein. Bon, enfin, ça va, c'est pas grave. J'en veux pas trop à Hamlup pour cette histoire. Par contre, là, il y a un squelette qui va me faire chier. Vous avez remarqué comment je voulais quand même pas tuer la vache? Il ne faut pas tuer les champignons vaches. C'est pas bien. Faut les manger vivantes.
Alors, est-ce qu'il y a encore un piège à con? Elle est intéressante cette zone en tout cas, j'aime bien le principe. Ah oui, d'accord, je vois où je suis. Okay. D'ailleurs, ouais, je vais descendre là pour mettre des torches parce que ça a été fait, mais pas assez. Ok, ouais, donc là, je suis au début de... Ok, ça marche. Il y avait rien là-bas, d'ailleurs. Non, j'ai rien. Non, j'ai rien raté là-bas. Je crois pas. Bref. Enfin. Donc, alors là-bas, il y a des spawners, donc il va encore falloir faire gaffe. Putain. Non, 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 tu n'exploses pas ce pont qui est quand même relativement classe. Hein. Mais bon, il y avait un truc là-bas au début. Putain, j'y vois que dalle. Bon, peut-être que remarque, ouais, ça doit être par là qu'on y accède. Je vais voir. Ouais, je vais commencer par aller à gauche. Ouh. Tout plein de coffres. Tout plein de mobs. Et sûrement la suite de la map, d'ailleurs. Ok. Bon, ça a l'air d'être encore une grotte. J'aime bien cette zone, honnêtement, elle est classe. Là. D'accord. Ok. Ouh. Ça marche. C'est pas mal. Ok, donc ça c'est des champi-zombies. Champi-zombies! Toi t'as une pelle en fer. Tu vois, t'as pas voulu me la donner. T'es pas sympa quand même. Vache. Ah bah méga derp, j'ai bien fait de te réparer. Ce que je veux c'est tuer le spawner. Ouais. Non, ce que je veux c'est tuer les squelettes. Mm-hmm. Je crois qu'il y en avait un autre. Ouais. Oh, je l'ai raté, putain. Ok. Bon, on est bon, on est bon. Tout va pas trop mal. Oula, ouais, ne pas aller par là. C'est noté. Ah. Non, merde. Beaucoup de creepers d'un coup, là. Putain, mais pourquoi faut toujours qu'il y ait un Enderman? Bordel de merde! Bon, bon, bon. Ça y est, j'ai mangé maintenant. Je suis d'attaque. Toi, t'es mort. Toi, t'es bientôt mort. Ah, merde. Toi aussi, tu vas crever. Allez, Bon, ok. J'ai compris, c'est Mega Derp qui voulait le tuer. Ok, ça va. Je crois que Mega Derp influe un peu trop sur moi. Ouh, y'a un zombie en armure en fer, là. Wow, non. Putain, il a survécu à ça, waouh. Ah bah putain. Putain, le plus chiant des trois, c'est le squelette, quoi. Wouh, bon, ok. Allez, viens là, toi. On va faire la technique circulaire du cercle. Voilà. Si ça c'est pas beau. Oh putain. Voilà, les plus chiants c'est même pas les zombies qui ont 10 milliards de points de vie là, c'est les squelettes quoi. Oh toi, prends ça. Et j'aimerais avoir le squelette. Oh oh. Tout va bien. Et alors par là, je sais pas trop ce qu'il y a. C'est le truc qu'on va aller voir après de toute façon.
plus de spawner, si. Il a... Ben voilà, au moins Mycelium Mines, là, ça correspond quand même bien à la zone, quoi. C'est l'autre catacombe. Voilà. Si c'est pas mignon, ça. Vous êtes tombé dans le piège à con, les mecs. Pour pas y tomber moi-même, je vais faire ça, parce que... Et toi, tu meurs. Voilà. Bon, ensuite, on va... On va se faire des torches. Et on va continuer par là. Sachant que je pense que ça va donner sur le truc qui était à gauche au début, là. Oh putain. Ok. Il y a un peu de fer, mais honnêtement, là, je m'en fous. Ah non, ça donne sur rien. Ça donne sur un coffre. Donc il doit être bien, ce coffre. T'as spawné au mauvais endroit, mec. Oh, de la régène, c'est pas mal quand même. Oh, de la bonne mille. Bon, remarque, j'ai des os. C'est mieux. Bon, attends, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Bah, du coup, je peux la prendre. Ça, je vais en faire des planches tout de suite. Régène, je prends. Et régène, je prends. Voilà. Pas mal. Bon, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais c'est pas mal quand même. Y'a rien, là. Non. Ok. Salut, Creepy. Qu'est-ce que je l'aime, cette épée, putain. Bon, donc, il y avait rien par là. Donc, ça veut dire que... Bah, là, non plus, en fait... D'accord, donc le truc à gauche du début, bah c'était pas là où je suis en fait. Ouais si en fait j'y suis, d'accord. Ok, bon. Bon bah on va, je pense qu'on va, on va pouvoir arrêter l'épisode ici du coup. Donc ça doit faire une durée décente que ça dure, hein, je veux dire. Bon j'ai plus besoin d'aller là-bas donc on va cloîtrer. Une petite torche. Et c'est là-dessus que je vous dis adieu. Non, je déconne. Donc, rendez-vous dans l'épisode 16 pour la suite de Mycelium Mines. Et ben moi, sur ce, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Et Mega Derp, yeah. Ouais, bon, d'accord, ok, ça va, c'est bon. Merde.